Chers Ivoiriennes, l'heure est grave. La Côte d'Ivoire souffre, sa population souffre. Nous sommes là ce matin, à Gip. Nous faisons cette déclaration pour que véritablement les gens puissent nous entendre et trouver une solution à nos maux. La Côte d'Ivoire est chère, la vie est chère, le panier de la ménagère est vide. Alors véritablement, l'électricité est chère, l'eau est chère, l'eau est chère. L'enseignement est cher. On ne peut plus manger. On ne peut pas aller à l'école. Inscription en ligne. Les inscriptions en ligne sont chères. Alors véritablement, nous sommes en train de marcher ce matin pour que véritablement le monde entier sache que la Côte d'Ivoire, ça ne va pas. On souffre en Côte d'Ivoire. Rien ne va. Alors, en Côte d'Ivoire. Non à l'acheter de la vie, non à l'augmentation de l'électricité, non à l'acheter de la vie. Le coût de l'électricité, les 10% là, nous disons non à cela. Non à la vie chère. Nous n'arrivons plus à manger, nous n'arrivons plus à nous revêtir. Alors c'est nous qui avons mis ceux-là même, concernant les députés, les maires, le président de la République, c'est nous qui les avons mis là. Mais aujourd'hui, le retour est que on ne peut plus manger. Ils ont cassé nos maisons. On ne peut plus dormir. Il n'y a pas de mesure d'accord.